Bon après-midi, chers amis. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais très bien. Et je suis très ravie de vous rejoindre, de me connecter à vous à nouveau ce dimanche pour notre 18e édition de Spotlight. Bienvenue, bienvenue à vous. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Francine Akiébé. Et tous les dimanches, j'anime cette émission Spotlight, qui est une émission qui est axée sur l'entrepreneuriat. Donc, chaque semaine, chaque dimanche précisément, nous invitons une personne spéciale qui vient partager son expérience, son parcours dans l'entrepreneuriat. Et justement, l'un des rôles de Spotlight, c'est de partager la connaissance. Donc, bienvenue à vous. Merci d'être là. Invitez vos amis à nous rejoindre. On va lancer dans un moment. Donnez-moi une minute. Welcome à tous. Aujourd'hui, ce dimanche, nous allons parler de l'importance de nos langues africaines. En Afrique, on a une multitude de langues. On a environ 2000 langues qui sont parlées. Et au Cameroun, seulement un peu plus de 250 langues. Pour certains, cette diversité culturelle serait un handicap. Pour d'autres, c'est un avantage. Toujours est-il que nous avons tous grandi avec ce patrimoine culturel, ce patrimoine linguistique. Et aujourd'hui, justement, on va mettre l'accent, avec notre invité, mettre l'accent sur l'importance de la transmission de ces langues-là. Parce que malheureusement, c'est un fait. Nos langues sont en train de mourir parce qu'elles ne sont plus transmises, elles ne sont plus parlées, en fait. Il y a très peu d'Africains qui instaurent comme langue, qui parlent leur langue maternelle avec leurs enfants. Il y a même déjà beaucoup qui ne savent plus s'exprimer en leur langue et à plus forte raison encore transmettre cette langue à leurs enfants. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui avec notre invitée, Kamana Akamba. Elle viendra nous expliquer justement l'importance de la transmission de nos langues à nos enfants. Donc, coucou à toutes les personnes qui nous suivent déjà. Bienvenue à vous. Coucou à Aristide Nguni, bienvenue à toi chérie. Je suis ravie que tu sois là. Coucou à Pierre. Merci Pierre, merci. Merci, merci infiniment. Justement, aujourd'hui, on parle des langues africaines et j'ai voulu mettre justement aussi j'ai voulu me mettre à l'image de notre thème. Donc, c'est vrai que ça reflète aussi notre culture, ce que je porte aujourd'hui. Donc, voilà. Merci à toi. Les amis, aujourd'hui, avant de commencer vraiment, on va se prêter à un petit jeu. C'est un petit jeu, c'est pas. C'est très rapide et puis ça ne met pas long. OK? En quoi consiste le jeu? Le jeu consiste à. C'est un exercice, en fait. Bon, ou un jeu, on peut appeler ça comme ça. C'est un petit exercice. Alors, l'exercice consiste à, déjà, quand vous vous connectez, de liker. Vous likez l'émission. Ça se fait en un clic, vraiment, c'est très rapide. Essayez, vous allez voir. Juste un petit clic. Alors, si vous avez liké, vous partagez. Ça aussi, ça se fait très rapidement. C'est vraiment pas. C'est une histoire de quelques secondes. Vous partagez. Et les personnes qui nous rejoignent, et enfin, les personnes qui ne sont pas encore abonnées à cette page, veuillez le faire, s'il vous plaît. Et puis, invitez vos amis, taguez vos amis afin qu'ils puissent nous rejoindre ici. Je suis sûre que si même parmi vous, il y a des personnes qui parlent leur langue, je suis certaine que sur 10, il y a, on va dire, deux qui ont instauré la langue, leur langue maternelle au sein de leur famille comme langue de communication. Et je fais partie, moi également, des personnes malheureusement qui n'ont pas encore instauré leur langue maternelle au sein de la famille comme langue de communication.
Et justement, c'est pour cela que nous avons invité Nadège pour qu'elle vienne nous montrer les techniques, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir facilement transmettre notre langue à nos enfants et pouvoir vraiment instaurer nos langues maternelles comme langue de communication à la maison. Alors, bienvenue à tout le monde. Faites-nous un coucou. Dites-nous d'où vous nous suivez. Ce serait gentil. On saurait. Et également, est-ce que parmi vous, ce serait peut-être bien de savoir aussi de quels horizons vous venez, de quelle partie de l'Afrique vous venez ou de quelle partie du Cameroun vous venez, et puis quelle est la langue que vous parlez. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui parlent leur langue maternelle avec les enfants à la maison? Et quelle est cette langue-là? Je pense que ce serait vraiment intéressant d'avoir les uns et les autres vos avis, vos feedbacks. Alors, on va introduire notre invité tout à l'heure, comme je l'ai dit, et on va lancer l'émission dans un instant. Un instant, juste que je vérifie. Alors, quoi. Welcome à tout le monde. OK, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va parler de la transmission des langues, de nos langues maternelles, de l'importance de nos langues maternelles. Pourquoi est-ce que c'est important? Comme je l'ai dit, pour certains, il n'y a pas d'intérêt à le faire, mais pour d'autres, c'est très important et justement, Nadège viendra nous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut transmettre nos langues à nos enfants. Donc, je vois qu'il y a quand même quelques personnes connectées et on a notre invité qui attend backstage depuis un moment. Donc, on va l'introduire afin de commencer notre émission. Hello Nadège, Mbolo? Mbolo? Attends, ah, attends un instant, ton micro. Bonjour à tout le monde. Bon, on n'a pas suivi, ton micro était coupé, ton micro Ah était ouais, coupé, d'accord. Oui, je désolé. viens de voir ça. Je viens de voir. Bonjour à tout le monde. Bonjour Nadège, ça c'est franchement déjà pour planter le décor. Vous vous racontez un peu chaque fois, ça c'est une des techniques de Nadège, chaque fois que Nadège dit bonjour à quelqu'un, c'est en sa langue. Et c'est quelle langue en Exactement. fait? Exactement, quelle que soit la personne, je m'en fous. Alors, bienvenue à Spotlight, Nadège. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis vraiment très ravie que tu sois Merci, qui va? là. Alors, je vais te laisser te présenter. J'ai déjà dit, nos spectateurs connaissent déjà, nos amis là connaissent déjà ton nom, mais je vais te laisser encore te présenter, que tu nous dises qui est Nadège Akamba, qui est Kamana Akamba. Je ne suis pas encore, je t'appelle en privé, Nadège, mais je Ouais. pense que Kamana, c'est mieux. Qui est Kamana? Dis-nous qui est Kamana Bella Akamba, s'il te plaît. Oui, donc pour déjà un peu la petite confusion, en fait, le nom de l'état civil, disons comme ça, je m'appelle Nadège Akamba. Oui. Et ça, c'est le nom que mes parents m'ont donné à la naissance. Kamana Bella Akamba, c'est mon nom, voilà, on va dire quoi, du sein d'entrepreneur, parce que c'est là, le sein où j'essaie de mouvoir un peu les choses, là. En ce qui concerne voilà, la culture africaine en général, mais surtout la transmission des langues, parce que c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Et donc, nous avons une plateforme qui est axée dessus, qui s'appelle mbolanchallenge.com. Et à côté de ça, il y a une autre société qui fait aussi dans les cadeaux africains, surtout pour les enfants. Donc, ça va toujours dans le même sens, quoi. Mais aujourd'hui, on va principalement parler de cette activité-là, comment transmettre les langues africaines dans un contexte de diaspora ou de langue ou de villes multi, de grandes métropoles africaines, hein, où finalement beaucoup de peuples se côtoient et sans forcément se comprendre. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Ça, c'est aussi un challenge. Donc, c'est pour ça aussi que ça s'appelle Mbolan Challenge, en fait. Parce que Mbolan, c'est justement Mbolan pour dire salut, bonjour Salut. en ma langue. Voilà, mes parents sont Boulou. Et puis, le challenge, quoi, de dire que oui, on aimerait amener les gens là-bas, mais on reconnaît que c'est un challenge. D'accord. OK, c'est vrai que tu as déjà vraiment planté le décor. Tu as mis sur pied une tu as créé un concept pour pouvoir justement apprendre des techniques aux personnes intéressées, comment est-ce qu'ils peuvent transmettre leurs différentes langues maternelles
aux enfants. On va vraiment, c'est dessus qu'on va parler. On va beaucoup axer notre entretien aujourd'hui sur ton concept, sur ce que tu fais effectivement. Mais j'ai envie de savoir avant de commencer vraiment, Oui. tu es linguiste? Tu es linguiste? Oui. Qu'est-ce qui te pousse à te lancer dans ce Oui. challenge? Ouais. Ah ben non, pas du tout. En fait, je viens d'un autre domaine, contraire, parce que quand j'étais au lycée, quand quelqu'un était très intéressé aux langues, il n'allait pas faire la carrière que moi je fais. Donc, il n'allait pas parce que de formation, je suis ingénieur en informatique. OK. Et en OK. fait, les langues, c'est depuis toute petite que ça me passionne en fait. Et j'ai eu la D'accord. chance que malgré que on va dire ça, la génération de nos parents, on n'a pas trop mis l'accent sur les langues africaines. On a eu la chance à la maison que ma grand-mère, qui est décédée il y a quelques semaines de ça, paix à son âme, en fait, elle insistait sur ça plutôt. On avait quelqu'un et c'est juste ça aussi qu'on insiste sur le concept Bolani, c'est que chacun de nous peut être la lumière dans sa famille, dans son cercle d'amis, dans son association. Chacun de nous peut être celui qui apporte l'exemple aux autres et les autres voient comment nous faisons et puis comment on m'a dit ça? Ils se rappellent qu'en fait, eux aussi, ils ont un héritage. Donc, c'est un Okay. peu ça qu'on vous transmet. Donc, j'ai un parcours qui n'a rien à voir avec les langues. Je ne suis pas linguiste. Mais on travaille avec des linguistes parce que même pour mettre sur pied ce concept, on a dû travailler avec des gens au Cameroun, par exemple. C'est là où je suis camerounaise, je suis d'origine camerounaise, donc c'est ma base, Camerounaise, quoi. oui. Oui. Donc, même si on a un concept, on va quand même aller chez le linguiste qui a étudié les langues et puis on va échanger avec lui et puis il va donner son avis, il va nous demander de corriger certaines choses. Mais notre approche est vraiment une approche qui se veut vraiment très loin de l'académique parce que beaucoup de concepts font déjà ça, genre transmettre la connaissance, le contenu, qui est bien pour la base, mais beaucoup de gens, après, le contenu se retrouvent un peu seuls avec le contenu. Ils ne savent pas quoi en faire. Exactement. Exactement. C'est comme d'habitude vraiment. Je veux dire, ça fait vraiment plusieurs semaines que j'interviewe des personnes sur ce plateau et c'est toujours fascinant de voir que le parcours, ce qu'on a appris à l'école finalement, c'est pas toujours ce qu'on fait, qu'on finit par faire plus tard. On se retrouve à faire quelque chose qui nous passionne et généralement c'est depuis l'enfance en fait. Oui, Donc ouais. le projet est né donc justement, ça fait combien de temps en fait que tu t'es lancé dans ce projet? Alors, officiellement, en fait, on a fait le premier Bolan Challenge, c'était en décembre 2018, hein? Je pense bien 8-18 ans, la veille 2019, oui. OK. Et après, on a lancé la suite en 2019, on a fait un ou deux challenges. Et puis en 2020, on a voulu quand même aller un peu plus loin en mettant, parce que si jusqu'à présent, c'était vraiment des formations en live. Et là, cette fois-ci, c'était vraiment la dernière formation en live. Là, désormais, ça va être plus, en tout cas, les formations de base, ça va être des formations vraiment en ligne où chacun est libre au moment où il veut, que ce soit à minuit ou à 6 heures du matin, d'accéder au contenu. Alors que jusqu'ici, c'était des formations où il fallait se connecter parce que voilà, le formateur ou la formatrice est connectée à ce moment-là, on peut poser ses questions, on peut partager un contenu, on peut beaucoup de peur, hein, c'est incroyable à quel point comment on va dire ça, on a très peu de certitude quand il s'agit de notre langue et de voir comment, en fait, on parle de développement, mais quand un peuple est si incertain dans son héritage, il peut produire quoi, en fait? Je sais qu'on est déjà en plein dans le sujet, mais quand je me rappelle des coachings, quoi, les questions qu'on te pose, mais c'est vraiment des trucs de rien du tout, mais où les gens sont incertains, ils ne savent pas quoi faire. Et pourtant, on manie la langue de Molière, on manie la langue de Shakespeare. J'ai vu quelqu'un l'autre jour qui disait qu'il est champion en, tu sais, quoi, linguistique, de quoi. Je lui dis, OK, tu parles ta langue, non. Mais quand même, tu es champion chez quelqu'un d'autre, mais
Dans ton propre truc, tu ne connais même pas un mot. Donc, Oui, mais... pour aider à changer ça, c'est un peu ça le travail qu'on fait. D'accord. Mais justement, alors, comme je l'ai dit en introduction, en Afrique, on a une multitude de langues, vraiment. Est-ce que ce n'est pas vraiment, est-ce que finalement cette diversité linguistique n'est pas un handicap? Est-ce que ce n'est pas justement parce qu'il y a tellement de langues, les gens se disent, OK, peut-être ce serait mieux d'avoir une langue que tout le monde comprend et on s'exprime avec cette langue. Est-ce que c'est, quel est ton avis là-dessus? C'est un avantage d'avoir autant de langues ou un handicap finalement? Oui. Disons que moi, je comprends les choses autrement. En fait, même à quel que soit le domaine de la vie, hein, même dans mon entreprise, je me demande qu'est-ce que je veux accomplir et je me demande quelle est la personne que je dois devenir pour accomplir ça. Donc, je ne me dis pas, en fait, voici comment je suis. Et comme je suis comme ça, donc je ne peux pas faire telle chose. Donc je ne peux pas faire telle chose. Tu vois, genre, parce que ce que je comprends avec beaucoup de pays africains qui ont ce problème, genre, le Cameroun a ce problème, la Côte d'Ivoire a ce problème, le Sénégal beaucoup moins, ils ont déjà réglé ça. Mais en Afrique centrale, c'est vraiment un fléau, que ce soit le Gabon, que ce soit, parce que même avec les pays comme le Gabon et la Guinée équatoriale, c'est des pays où on partage des langues. C'est-à-dire que quand moi je parle, un équato-guinéen comprend. Normalement, ma langue à moi. OK? Oui, Et pourtant, effectivement. on a juste en 50 ans, on n'a pas réussi à faire un tout, non? Ne serait-ce qu'au niveau linguistique. Donc, pour moi, la question de l'handicap ne se pose pas. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que nous voulons laisser à nos enfants et comment est-ce que nous pouvons nous donner les moyens d'atteindre ça? Parce que quand on me parle de la quantité de langues, moi, je montre. L'Union européenne, un exemple, l'Union européenne, c'est un minimum de 27 pays et aussi de 27 langues. Oui, Et pourtant, quand effectivement. tu vas dans le Parlement européen, on parle trois langues. On parle l'anglais, l'allemand et le français. C'est les trois langues officielles de l'Union européenne. OK. Ça ne veut pas dire que les autres pays ne sont pas importants. Non, ça veut Sont juste les dire trois qu'ils langues qui se ont mettent. été choisies en fait pour Voilà. communiquer. Ils se mettent en arrière pour que l'Union européenne puisse avancer. OK, D'accord? parce que... Donc, nous aussi, on peut faire pareil. Je ne Oui, sais pas. Je justement. me dis, voilà, on peut regarder, et il y a des exemples un peu partout. Hein. On peut regarder dans n'importe quel coin, voir celui qui a réussi. C'est Tony Robbins qui disait ça, que si tu veux réussir, ne commence pas à inventer la roue. Regarde celui qui a réussi dans ton domaine et imite-le. C'est tout. Exactement. Voilà. D'accord. Donc, en fait, oui, si je comprends bien, serait donc peut-être une solution de prendre au Cameroun, par exemple, trois langues majeures, ou alors, oui, trois langues majeures, et puis tous les autres, comme tu as dit, se mettent en retrait et acceptent apprendre ou parler ces Pour langues-là. le bien commun, pour le bien Le bien commun, commun, oui, effectivement. lorsqu'on a compris, lorsqu'on connaît sa culture, on sait que même si ma langue n'est pas parmi les langues qui ont été choisies, nous avons des comment on va dire ça? Nous avons des choses en commun, que ce soit le champ lexical, que ce soit la grammaire, que ce soit la cosmogonie, que ce soit la spiritualité, parce que qu'on veuille ou pas, à un moment donné, quand on étudie les langues, on va arriver au niveau spirituel, parce qu'en fait, la création se fait avec le son. Oui, Okay? oui. Donc, même au niveau de la physique, en fait, le son, là, en fait, c'est une onde. Okay? La parole qui sort de la bouche, c'est une onde, en fait, qui ondule. Oui. Voilà, et puis quand elle ondule comme ça, elle produit des effets, elle crée des choses. C'est comme ça qu'on Oui. crée. C'est pas pour rien qu'on dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est la parole qui crée. Donc, quand Oui, un peuple ne effectivement. sait plus manier sa propre langue, il devient sous-traitant de ce que les autres fabriquent, de la modernité que les autres fabriquent, des appareils que les autres fabriquent, de l'économie que les autres fabriquent. Donc, on parle beaucoup d'économie. Oh oui, on veut sortir du franc CFA. Enfin, tu connais le fameux débat. On veut sortir du franc CFA, on veut sortir. Oui, ça, c'est bien beau, mais quand tu te lèves le matin, ce n'est pas le franc CFA que tu utilises en premier. Enfin, je veux dire, la première chose que tu rencontres quelqu'un, tu dis bonjour. Mais là Oui, déjà, effectivement. tu es déjà comment on va dire ça, en soumission. Parce que tu dis bonjour, tu dis hello, tu dis good morning.
tu dis pas en ta langue. Pourquoi? Il n'y a pas Macron à côté. Il n'y a pas. Comment il s'appelle celui des États-Unis qui est drôle là? Il n'y a pas Trump à côté pour te forcer à parler l'anglais. Donc, il faut qu'on reconnaisse que nous aussi, on a une part de responsabilité dedans. Et c'est nous-mêmes qui acceptons de nous soumettre à la langue des autres. Et les effets sont, je ne sais pas si les gens réalisent, c'est tellement désastreux, même au niveau économique, quoi. Genre, il y a quelques semaines, l'acteur de Black Panther est décédé. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'en fait, quand on a tourné Black Panther, ils avaient l'intention de tourner ça en anglais complètement. Et c'est le monsieur là, Chadwick Boseman, qui a dit, mais ça ne fait pas de sens. Je suis censé être un prince africain. Pourquoi je vais parler en anglais? Je dois parler en swahili, je dois parler en zoulou. Oui, c'est lui qui a apporté ça. Donc, chacun de nous peut être cette force. Alors qu'il n'a pas grandi en Afrique, il n'a pas. Pour dire qu'on n'a pas besoin. Je sais que les gens disent, oui, mais est-ce que tu es linguiste? Est-ce que tu es juste. Je dis souvent que. Est-ce que tu as un doctorat en linguistique? Je leur dis que j'ai un doctorat en résultat. Voilà. Ça veut J'ai dire que tu apportes des résultats concrets. Ok, ouais, c'est vrai que les c'est. résultats. J'ai les Oui. résultats. C'est Tony Robbins. Je me suis inspirée de Tony Robbins. Parce qu'on le dérangeait aussi avec ça, genre, ouais, mais toi, tu n'es pas vraiment psychologue, tu n'as pas les diplômes. Tu dis, les gars, on va avancer. Non, on veut les résultats. Bien sûr, Effectivement. la théorie linguistique va nous apporter des éléments, mais on a besoin des résultats. À un moment, il y a un qui a fait Morakana, Moriachine, Koso, Ongwa Kwa Mokwabwe, Mora, un Fulensi, Koso, Ongwa Kwa Fulensi, Mora, Englesko, Minkwa Miseyasi, Gowo, Edeligi Bengaligi, Wo, Zanye, tu vas OK. laisser quoi à tes enfants? D'accord. Non, Peut-être ce après serait moi, bien je voudrais justement que que je dise à nos spectateurs pour qu'ils ne soient pas Effrayé? effrayés, effectivement. Si vous connaissez Kamana en privé, c'est ça, justement. Elle vous impose sa langue. Et il y a un post que j'ai bien aimé de toi où tu disais que c'était quelque chose du genre, ceux qui ne parlent pas leur langue vont souffrir du fait que tu leur imposes ta langue. Exact. Donc. Je veux que chacun vienne avec sa langue. Je préfère qu'on s'affronte même en. Tu À parles nos Bassa, moi différentes je parle langues. Wolof. Oui, je préfère ça. Et puis on se dit, oui, mais comment on se comprend là, comment on fait? Là, on cherche une solution entre nous, Africains. Mais Effectivement. ce qu'on fait maintenant avec le concept qu'on a en général au Cameroun et dans d'autres pays, c'est qu'on dit, OK, bon, comme moi je parle Wolof, et toi je parle Bassa, et l'autre parle Yemba, et l'autre parle ceci. En fait, comme on ne se comprend pas, ou alors on semble ne pas se comprendre, parce que si on va dans le fond, on se comprend. Mais c'est comme on est Oui, les langues ignorant. ont une similitude, Voilà, exactement. il y a une grande similitude entre les Wondo et le Yemba. Une grande similitude. Je veux dire, même dans les mots, même dans le vocabulaire, et les gens l'ignorent. Et je sais qu'il y a des gens qui jouent dessus, qui jouent, que ce soit politiquement, sur le fait d'utiliser ça pour diviser le peuple aussi. Parce que si les Bassa sont de leur côté, les Ewondo du leur, les Douala du leur, ben ça fait tellement de camps que c'est facile de régner, que si c'est en blanc. Effectivement, Donc, il faut oui. que les gens comprennent aussi que c'est vraiment un enjeu politique aussi. Non? Oui, Donc, effectivement, au je suis niveau d'accord. de l'économie, l'exemple que je voulais donner, c'est que lorsque ce film est sorti, imaginez qu'on a fait la traduction de ce film en plusieurs langues. D'accord? Ça veut dire que quand on l'a fait en langue française, si tu vas là-bas et que tu dis, messieurs, s'il vous plaît, veuillez traduire ça en langue, je ne sais pas, en langue Yemba, on va te dire, on parle Yemba où? Tu vas dire, on passe au Cameroun, c'est la troisième langue, justement, en passant. Si vous retenez une info d'aujourd'hui, le Yemba est la troisième langue la plus parlée au Cameroun. Ah d'accord, ça je savais pas. Voilà. Merci pour Exact. l'info, Donc, Nadège. il y a le Yemba et puis la première langue la plus parlée au Cameroun, c'est le Foufoulde. La deuxième langue la plus parlée, c'est le Fambéti. Donc, on a ces trois langues-là. Maintenant, si on dit donc que oui, en fait, il y a beaucoup de locuteurs de Yemba au Cameroun, voilà, on voudrait traduire le film Black Panther qui parle de la culture africaine, de l'héritage ancestral, on veut traduire ça en langue Yemba. C'est légitime pour moi, pour tout Africain, c'est légitime.
Mais si tu vas là-bas, on va te dire non, parce qu'en fait, officiellement, vous avez écrit français et anglais, et nous, on a déjà Oui. traduit en français, et c'est bon. Donc, Non, en c'est fait, bon, on c'est se retrouve, vrai. voilà, on se retrouve en train d'être sous couvert de la France une fois encore, alors qu'on dit qu'on est indépendant. Ça n'a pas de sens. Faut Oui. changer ça. D'accord. Bah, et on voit aussi un autre phénomène aujourd'hui, Kamana, le problème de la transmission. Les parents, il Oui. y a certes beaucoup de parents qui parlent, qui parviennent à parler leur langue. Moi, par exemple, je vais prendre mon exemple. Je parle très bien ma langue maternelle, je veux dire celle de mon Oui. papa. Oui. Moi, j'ai deux langues. Je suis une Tumu, donc du côté Oui. Beti, mon papa, et ma maman du côté Tchang, Yemba, justement. Mais je comprends le Yemba, mais je n'arrive pas vraiment à m'exprimer en Yemba. Par contre, Oui. je parle très bien le Tumu et oui, je parle très bien. Mais j'ai le problème justement de transmettre. J'ai un Oui. fils, il aura bientôt 10 ans. Mais je t'assure que oui, de temps à autre, je lui lance quelques petits mots et de temps à autre Ouais. aussi, il parvient à répondre à, je veux dire bonjour, bonsoir, bonne nuit. Mais vraiment que ce soit que je lui dise toute une phrase et qu'il me réponde, par exemple, ou qu'il comprenne même, il y a ce problème de transmission. À quoi tu penses que c'est dû à quoi? Je ne suis pas la seule, je sais qu'il y a beaucoup de personnes également qui ont ce problème. Tu penses que Ouais. c'est dû à quoi ce problème de transmission? Ben, c'est dû déjà à ce qu'on appelle dans le concept Bolan Challenge, il y a ce qu'on appelle Itwenum. Itwenum, c'est quoi? C'est ce que les Américains parlent de mindset. C'est-à-dire Ah. que tu as grandi avec un certain mindset. Un exemple, nous, quand on était à l'école primaire, au lycée, lorsque un enfant osait, je dis bien osait, hein, lorsqu'on enfant, c'est pour ça que vous avez notre logo qui est Oser nos langues afro. Lorsqu'un enfant Oui. osait parler sa langue maternelle à l'école, mais c'était un problème. Donc, il y a plusieurs témoignages de ça. Donc, le maître faisait une espèce de petit tableau là où il était écrit, voilà, il a enfreint à la loi, il est puni pour toute la journée, un truc comme ça. OK? Parce qu'il a Et parlé sa puis, langue maternelle. oui, exactement. Et puis Wow. maintenant, on accroche ce tableau autour du cou de l'enfant et se prenait avec ça toute la journée. Oh. Je te jure. Voilà Wow. comment on a les méthodes presque, j'ai envie de dire diaboliques, mais machiavéliques, qu'on a utilisées pour convaincre ton subconscient que ta langue est mauvaise. Est mauvaise, oui. Voilà. Donc, même si, bon, tu grandis, comme par exemple, moi j'ai grandi à Yaoundé, dont les sons de Yaoundé je connais, et puis j'avais une grand-mère qui parlait Ono, donc du coup, pour moi, ce n'était plus. Lorsque j'ai compris qu'il fallait le faire, ok, j'y suis allée avec les difficultés que ça a comporté. Mais il y a vraiment dans notre subconscient personnel à chacun et dans l'inconscient collectif, il y a vraiment cette peur-là de mal faire. Il y a la peur d'être traité de villageois. D'attarder, de pas Oui, assez moderne, effectivement. de raciste même, de tribaliste, Oui. voilà, de quelqu'un qui ne veut pas le progrès du pays. Tu Oui, vois? oui, Donc, oui. en fait, toi, dans ta logique, tu dis non, c'est ma langue, je dois parler et tout, mais dans ton inconscient et dans ton subconscient personnel et dans l'inconscient collectif, il y a des barrières, en fait. Et Oui. c'est ces barrières-là qu'on essaie aussi de travailler justement dans Bolan Challenge, où on te parle des trois piliers. Je ne veux pas parler de ça parce que c'est trop long. Et puis, c'est une formation aussi que les gens payent. Donc, voilà, je veux vous donner juste un petit aperçu comme ça, où on dit que, parce qu'il y avait une dame qui me disait exactement comme tu dis, et je lui ai dit, c'est vrai que tu te plains que tu n'arrives pas à transmettre, mais surveille un peu lorsque tu veux parler à ton fils ou à ta fille. La phrase au départ, elle est en quelle langue? Elle est en Yemba? Ou bien, je ne sais pas quelle langue tu veux lui parler. Elle est en Tumu? Ou elle est en français? Et il me dit, elle est en français. Je dis, voilà, C'est c'est le problème. oui. Donc, en fait, tu penses déjà en français et tu essaies maintenant en route, pendant que la phrase est en route entre ton cerveau et ta bouche, tu essaies de traduire ça maintenant en langue Ntumu ou en langue Yemba pour parler à ton fils. Et bien sûr, ça ne fonctionne pas. Un, parce que ça dure trop longtemps. Donc, le cerveau, voilà, le cerveau fait comme ça. Donc, on stoppe, on stoppe. Oui, Oui, oui. pourquoi? Parce que le cerveau, justement, on a ça dans le Bolan Challenge, le cerveau cherche toujours le chemin de la moindre résistance. Donc, Effectivement, le chemin le plus facile.
Voilà, dès qu'il y a problème, allez, on coupe. C'est pour ça que tu vois après, tu, enfin, comment on appelle ça, enfin, tu es fatigué, tu n'as plus envie, tu es énervé, tu vois, non, ça t'ennuie, ça te gêne, en fait, tu vois. Mais tout ça vient du fait qu'en fait, il y a justement, dès que le cerveau dit stop, il y a certaines hormones qui sont produites à l'intérieur, là, pour dire, et là, c'est même dangereux parce que ce qui peut se passer, c'est que tu risques maintenant de développer une liaison négative entre chaque fois que tu essayes et que ça ne marche pas. Oui, Voilà. Et puis, effectivement. tu vas te sentir mal. Et puis, quand tu ne veux pas te sentir mal, ben, à un moment, tu vas même cesser d'essayer. Tu Oui, vois? Donc, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est pire encore quand on ne maîtrise pas vraiment déjà sa langue maternelle. Quand on laisse soi-même encore en train de tâtonner, qu'est-ce qu'on dit ça? Comment? Je sais que j'ai eu, avec ma grand-mère, par exemple, elle ne parle pas français. Je parle ma langue maternelle avec ma grand-mère. Et c'est vrai que parfois, j'ai eu envie souvent de couper rapidement la conversation parce que à certains moments, il y a des mots que je Gêné. n'arrive pas à retrouver. Oui. Donc, si je comprends bien, en fait, déjà, le premier problème de cette transmission, du fait qu'on ne puisse pas transmettre nos langues à nos enfants, vient de l'intérieur, vient de notre état d'esprit. Donc, c'est par là Voilà. qu'il faut, en fait, commencer. C'est par Commencer. là que le travail commence. Exact. C'est à l'intérieur. Parce qu'en fait, Waouh. c'est comme si tu disais, oh, la rivière, si elle est trop sale, ou bien la rivière, si elle est trop, je ne sais pas, peut-être qu'elle a quelque chose. En fait, tu essaies de changer quelque chose au cours de la rivière, mais en fait, c'est à la source qu'il faut aller. Parce que quand on parle de langue, il faut comprendre qu'en fait, ce n'est qu'une manifestation. La source est à l'heure. La source, c'est dans ton esprit, c'est dans ton cerveau. Donc, de là où tes pensées jaillissent, elles jaillissent en quelle langue? Et Ah c'est oui, c'est de là là qu'il qu'il faut faut. travailler. Voilà, Wow. c'est ça que nous faisons dans Molan Challenge. Si tu Ok, réussis c'est à vrai faire que. ça, tu vas voir que ça va couler en fait. Parce que tu vas juste partager ce qui vient de l'intérieur. Ce que beaucoup de gens font, c'est que, et bon, ce n'est pas déjà mal, c'est que, comment on va dire ça? Ils abreuvent la source en fait. Ils font en sorte que la source soit comme, par exemple, quand tu fais du vocabulaire, ok, tu fais du vocabulaire, tu fais de la grammaire, ça te donne une petite sûreté. N'est-ce pas? Pour pouvoir oser même. OK? Mais maintenant, la technique pour dire que, OK, comment est-ce que je fais pour cesser de bégayer? Comment est-ce que je fais pour cesser de dire tout le temps et puis finalement d'abandonner? Voilà, c'est de Abandonner, trouver. oui. Voilà, je dis souvent qu'il faut se représenter ça en trois parties. Il y a les pensées qui jaillissent en langue X. Et puis, il y a la formation de la phrase, parce que quelque part aussi, il y a ce processus-là. Et puis, il y a la vocalisation extérieure. Donc, quand tu vas vocaliser avec ton fils, si c'est à ce moment que tu réfléchis, c'est déjà trop tard. Tu vois? Donc, c'est au niveau de la pensée maintenant. Je pense en quelle langue? Et là, il y a une statistique. C'est une statistique. On m'a dit que si vous allez sur le net, vous allez trouver des chiffres qui varient, hein. Parce que chacun fait son étude et tout, mais la majorité du dialogue, les gens pensent, ah oui, je n'arrive pas à parler, oui, mais la majorité de ton dialogue n'est même pas avec les autres, c'est avec toi-même. Avec toi-même, effectivement. Et Intérieur. c'est vrai, oh my God. Tu vois, donc c'est là Wow. qu'il faut commencer en fait. Et si tu gagnes la bataille intérieure, la bataille extérieure, les gens vont se coucher. Tu vois, ça va se voir que tu dis, Wow. mais on va te dire, mais Francine, t'as fait comment? Ben ouais, j'étais au Poland Challenge. Oui, vraiment. En fait, ça me paraît, wow, c'est vraiment un travail de... De C'est fond. quelque chose de fond, oui, qu'il faut commencer aussi à répéter. C'est vrai que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est Ah non. en exerçant, en... Wow. Bah, en tout cas, vraiment, je Il y a suis... ça, et il y a aussi un autre truc que je vois chez les gens. Et les gens me disent, oui, mais si je fais telle faute, on va se moquer de moi. Bon, Oui, comme mon en frère, ma français et soeur, en anglais, par exemple, oui. ouais, il faut choisir. Est-ce que tu vas atteindre ton objectif ou bien est-ce que tu vas avoir l'air cool? Tu ne veux pas avoir les Oui, yeux. c'est vrai. Et puis, Voilà. si tu ne fais pas d'erreur, tu ne peux pas être corrigé aussi. Tu Il ne peux y a pas des être gens qui n'aiment même pas qu'on corrigé. les corrige, Francine. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les corrige. Et donc, c'est pour ça que Mola Challenge aussi. On travaille aussi sur le mindset, donc sur la personnalité de la personne. Parce que si tu es quelqu'un qui n'aime pas qu'on le corrige, je peux te donner toutes les techniques du monde, tu ne vas rien faire avec. Tu vois? Oui, Donc, oui. il faut vraiment un pivot
au niveau de la personnalité, accepter, je ne peux pas changer la personne, enfin, personne ne change personne, pour que la personne te tende déjà la main pour dire que oui, je veux de l'aide. Voilà, donc c'est les deux facteurs que je peux vous donner où il faut vraiment regarder de près pour pouvoir avancer. D'accord. Merci, merci Nadège pour ces informations que tu donnes. C'est vrai que tu as une formation que tu vends et là tu nous livres des informations comme ça gratuitement. Ouais. Merci, vraiment merci. Bon, j'ai envie de te demander, je ne sais pas si tu seras OK avec. Oui, bien sûr. Oui, maintenant qu'on a identifié, on a identifié le problème, d'accord, je sais que je dois travailler, je dois faire un travail de fond, je dois commencer à penser en ma langue. Pour pouvoir la transmettre. Avant qu'elle ne sorte, il faut dire que je l'ai pensée en ma langue. Est-ce que tu as des techniques? Est-ce que tu as des techniques Oui. qu'on peut mettre au quotidien, par exemple, pour pouvoir justement commencer à s'exercer? Oui. Je sais que ce sont des techniques que tu enseignes dans ta formation, mais est-ce que tu pourrais nous Bon, citer disons une que ou deux? je vais partager une, OK? Il y en OK, a d'accord. plusieurs, mais je vais partager une. D'accord, merci. Les gens me disent souvent, bon, ça dépend des gens. Il y a les gens, il y avait un informaticien dans la formation, il me dit, ah non, ça c'est ma technique préférée. Je lui dis, pourquoi? Oui, mais ça, parce que ça parle des chiffres. Je lui dis, ah, intéressant, intéressant. Je lui ai dit, OK. On est dans un monde numérique déjà, OK? C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où, voilà, on est en train de faire une émission là. Ça passe pas forcément à la télé comme avant. C'est-à-dire qu'il y a toute une autre, toute une, tout, tout un autre domaine qui s'est ouvert dans le numérique, OK? Donc, il y a la banque numérique, il y a... OK? Et on insère ça justement dans la formation. J'ai dit, OK, la prochaine fois que tu vas... faire des opérations bancaires parce que plusieurs fois par semaine, que ce soit le solde de compte que tu consultes ou bien de faire des virements ou bien je sais pas, que ce soit, tu peux y aller directement à la banque, mais il y a les gens qui le font aussi en numérique. Donc tu restes à la maison et tu consultes ton compte. Mais dis oui, ça je fais régulièrement. J'ai dit ok, la prochaine fois Effectivement, que tu vas faire ça, ah oui, tout à l'heure je dois me faire un virement. J'ai dit pas de souci. Quand tu vas faire le virement, quand tu vas donner ton IBAN là, ton numéro de compte ou je sais pas quoi, oui. donne-le en langue maternelle. Ok, Il ça me veut dit dire quoi? déjà, même si tu es Donne-le seul en déjà ta en langue. toi-même. Ok, Il me dit, ok, mais ok. il n'y a personne qui regarde. Je dis que c'est Effectivement. exactement ça. C'est les choses que tu fais quand personne ne regarde, c'est ça qui fait ton succès. Ce n'est pas ce que... C'est vrai que tu aimerais qu'à un moment donné, ça va se voir dehors. Les gens vont dire, ouh, mais tu as changé et tout. Mais c'est parce que tu auras fait le travail à l'intérieur. Donc, commence quand tu vas faire ton virement ce soir, le numéro de compte, le chef ABL7 et tout ça, donne ça en ta langue Pin et maternelle. tout. Il me dit, oh, j'ai jamais pensé. Je dis que oui, c'est pour ça que tu me payes. Pour que je te dise quoi faire. Donc, voilà Effectivement, un exemple, OK? Donc, que tout le monde peut commencer à faire. Et ce n'est pas seulement le virement. Je veux dire, on a les chiffres un peu partout, que ce soit le numéro de téléphone, que ce soit les le numéros Google. de rue, par exemple, aussi. Voilà, par exemple. Et un autre truc que je dis, quand vous appelez au pays, quand vous appelez au pays, obligez les gens à vous parler en votre langue. OK. Même si on ne comprend pas. Même si on ne comprend pas d'un départ. Bon, après, si tu veux être sûr de comprendre ce que tu dis parce que c'est important et tout, OK, la personne peut compartimenter, c'est-à-dire que la première partie te dit ça en langue parce que je veux que tu réapprennes le rythme parce que certains ne sont même pas habitués au rythme de Au leur rythme, langue. effectivement, oui. Ils ne peuvent Voilà. même pas reconnaître Ils ne leur peuvent pas langue quand reconnaître. ils l'entendent. Voilà. Oui, c'est vrai. Et là, non, je ne peux pas reconnaître, mais en plus, il y en a même que, je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça ici, il y a une dame que j'avais coachée. En fait, c'est elle qui a mis tout ça en place, hein, en fait. Parce que moi, je faisais ça à côté, et puis c'est elle qui m'a donné l'idée de partager ça aux autres. Et Oui, de bien faire, oui. son fils de 5 ans, 5 ans, 6 ans, elle voulait la transmettre le Swahili. Et pour dire qu'ils ont le même problème, en fait. OK. En diaspora, ils ont le même problème. Chez eux, ils arrivent bien à parler swahili, mais dès qu'ils sortent du pays, ils ont le même problème. Et donc, elle veut OK. s'entraîner le swahili à son fils, sauf qu'elle commence très tard. OK? Elle commence l'enfant déjà 4, 5, 6 ans. Et tu sais, les petits garçons ici, ils connaissent leurs droits et tout. Et à un moment, le petit garçon lui dit, il regarde l'affaire là, et il dit, maman, ne nous parle plus ta langue là, ça fait mal aux oreilles. Ouch. Ouch! Ouais, Ouch. tu vas faire quoi? Tu vas Ah faire quoi? Donc, ouais, c'est vrai. en fait, pour dire que il y a des gens que même entendre la langue, ça leur fait mal aux oreilles.
Donc, et ça leur fait mal aux oreilles parce que ça, en fait, ça leur fait mal parce que ils se sentent un peu exclus parce qu'ils n'entendent pas ce qu'on dit. Oui. Et c'est normal, hein, c'est normal. Mais c'est ce que je dis que justement, que ce soit au Cameroun, dans d'autres pays d'Afrique, les Camerounais, notre peuple, nous devons réapprendre à écouter les sonorités de nos langues en dehors des chansons de Charlotte Dipanay et de Katinou. Ouais, parce que quand Katinou chante, c'est bien, non? Oh, machin, blablabla. Elle chante en langue, il n'y a pas de souci, c'est le bikoutsi. Quand Charlotte Dipanay chante, oh oui, le slow, c'est beau. Voilà. Voilà, oui. Mais dès qu'on sort de là, si quelqu'un parle douala, je dis, il va sauter sur lui, ce sera les problèmes. Ce sera les problèmes parce que ben, c'est normal, parce que la personne se sent mise de côté, la personne se sent un peu à l'écart, et en fait, notre désir en tant qu'être humain d'être ensemble est naturel, surtout les Africains. Donc, au lieu, lorsque ton frère parle sa langue et que tu ne comprends pas, au lieu de lui exiger de parler français, parce que ça aussi j'entends, parle Oui. français parce que nous, on n'entend pas le On bassa quand tu n'entend parles pas. là. Non, 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 c'est toi qui dois apprendre le bassa. C'est toi qui dois apprendre, ou alors apprends-moi ta langue. OK? Apprends-moi ta langue. D'accord. C'est l'occasion. D'accord. OK, d'accord. Bah, merci, merci Nadège. Je veux faire un rapide tour autour vers nos amis qui nous regardent. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints. Merci à toutes les personnes qui... À vous tous là. Salut à Kevin. Salut à Josiane Akeme, ma petite sœur chérie. Elle est là connectée. Bonsoir à Monsieur Tétéré. Bienvenue Alain. Merci d'être là. Voilà. Est-ce que... Il y a aussi Monsieur Dago qui est là. C'est un peu Ah, Mbolo, ça. Justement, ça me fait... Est-ce que parmi les personnes qui nous regardent, ce serait peut-être intéressant que chacun nous écrive en sa langue, nous disent bonjour en sa langue. Parce qu'on a eu Mbolo. des saluts, on a eu En sa langue, oui. des... C'est ainsi Oui. que ça commençait déjà, Mbolo. Oui, et il a... Et, ah, il a dit encore, Yamela. Yamela. Ça, c'est le bafan. C'est le bafan, n'est-ce pas? Oui, Yamela. c'est le fait-fait. Ah, le Pense bien. fait-fait. OK, Je pense ne pas oui, me tromper. fait-fait, c'est... Je pense que c'est le fait-fait. Exactement. Peut-être Monsieur Dago dit, non, c'est le... Yamela, c'est un fait-fait, n'est-ce pas? Et les autres, ce serait peut-être bien de nous dire aussi coucou. Roméo David, bienvenue à toi. Dis-nous en ta langue. Dis-nous bonjour en ta langue. Voilà, Monsieur Dago qui nous dit qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. En Oui, effet. effectivement, je suis d'accord avec. Donc, dites-nous, on attend. Dites-nous Est-ce qu'il y a des bonjour. questions? Je sais qu'il y avait une dame, Amgaka. Ah, je sais qu'on répond Amgaka. comment. Je crois que c'est Apiagne, un comme ça. Kevin, Amgaka. dis-nous aussi comment on répond. Et c'est que c'est Amgaka, c'est quelle langue? Je crois que c'est le. Baganté? Non, c'est le Banjoun, je crois. Je crois, hein. Je crois que c'est le Banjoun. OK. Oui, Monsieur Dago nous dit que c'est le fait-fait. OK, Ouais. cool. Yamela, c'est le fait-fait. Et on répond Yamena. Ça, je connais. Ça, je connais parce Les bases, au moins, les bases, quand même. que... Oui, Yamena. Donc, Yamena, Monsieur Dago. Ah, Roméo David qui nous Ah, dit Mbamba Mbamos. Mbamos. Mos. Mbengena. Et c'est Roméo, je le connais, il est Nanga. Donc, ça, c'est le Béti, le fan Béti. OK. Alors, les autres, c'est. Kevin nous dit que c'est le Bayangam. Bayangam. Ah, donc, Oui, il y a. c'est tout Amga. près, en tout cas. Oui, Amgaka, c'est C'est le. tout près, l'enjeu. Bambamos, c'est le Yézou. Et on répond Bayangam. Exact. Ensemble. Donc, on a validé alors l'UV. Justement. Et les autres, dites-nous, il n'y a pas que le Bayangam ici, le Fefe, le Yezoum. Il y a beaucoup plus de personnes connectées que ça. Dites-nous. OK, ça c'est quelqu'un de l'équipe qui a dit Yawembe Ambassia. Ambafia. OK. Non, c'est vrai que le Bafia, je ne connais pas, mais merci. Bon, ça, Wayembe. Waouh, ça Yawembe. ressemble. Ah oui, c'est vrai, j'aime ma tante Abafia. Et c'est vrai que je connaissais vraiment, il a dit bonjour. Maintenant qu'il le dit encore, je me souviens que, ah oui, ça, je connais, j'ai déjà entendu. Wayembe. Et on répond comment? C'est une personne de l'équipe de sport, là, de Bratesmine. On répond comment? Je ne sais même pas, en fait, qui est derrière. Nous sommes un groupe. OK. OK.
Est-ce que vous avez des questions à Nadège avant qu'on continue? Parce que moi, j'ai préparé une longue liste de questions. Avant qu'on continue, est-ce que vous avez des questions? Je crois que j'ai vu une question un peu plus haut. À quand la télévision, à quand la première télévision en nos langues? Bah... C'est une bonne question. Monsieur Dago, c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée hein, de faire des émissions, de faire des programmes en nos langues, en différentes langues. Peut-être ce Oui. serait aussi une façon d'amener aussi les autres à dire, ah, mais je vais apprendre et je peux parler aussi, et je peux même aussi aller, voilà, ma langue, proposer ma Écoutez, langue comme... Oui, voilà, écoutez même aussi écoutez, parce que comment ça pour s'ennuie. apprendre, l'écoute est très, très importante. Donc, pour les gens qui commencent, ça peut être vraiment intéressant. Je pense que la question que Simplice pose, hein, je pense que si on revient dessus, c'est, on va dire ça, disons qu'au niveau de la langue au Cameroun, on a beaucoup régressé. C'est-à-dire que moi, j'ai retrouvé, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, j'ai retrouvé un roman. Écrit en langue boulou complètement. Complètement. Et ça, c'est en 1900. C'était soit avant les indépendances, soit juste après. C'est-à-dire qu'il y avait une. Comment on appelle ça? En fait, c'était une évidence. Les langues camerounaises étaient une évidence. Le français, l'anglais qu'on est venu imposer là, c'était après, en fait. Mais en fait, on vient d'une culture où les langues sont très fortes et très. Donc, quand aujourd'hui on le dit langue, émission en langue télévision, oui, ça pourrait être peut-être ne pas tant que ce soit seulement la télévision, peut-être voilà, des émissions comme ça. Il y a des gens qui ont des idées là de lancer des choses, bah, lancer langue. Lancer langue. Ou alors, ce que je propose aussi de faire, c'est de le faire bilingue, de faire une émission bilingue, une personne qui parle anglais et l'autre qui parle, je sais pas. Fait, une qui parle bétis, l'autre qui parle français. Voilà, de pas, parce que comme on est face aux gens qui ont peur, ils ont peur. Alors, si j'apprends la langue de Bassa à mon fils, il sera faible en français. Voilà les choses que j'entends. Je dis non, madame, c'est le Non. contraire. Hein? C'est le contraire. Les linguistes disent que l'enfant entre 0 et 5-6 ans peut apprendre jusqu'à 5 langues. Donc, c'est vraiment pas ça le problème. En fait, là, il y a l'insécurité, mais l'insécurité est au niveau du fait qu'on n'a pas confiance en nos langues. On ne leur accorde pas de la valeur. Parce que quand tu as de la valeur, quand tu accordes la valeur à ta langue, tu veux que ton fils connaisse ça, parce que tu as de la valeur. Mais comme tu crois que ça n'a pas de valeur, tu dis, ah, ça va seulement le déranger. Ça sert même à quoi? Est-ce qu'on gagne l'argent avec? Oui, justement, on a déjà d'abord Vianney qui répond Nemzaté ou Inch'Allah. Inch'Allah. Je crois que c'est Vianney qui a Chez dit là, comme. ce n'est pas le Yemba, ça. Chez là, non? Non, Inch'Allah. Nemzaté. Oui, c'est Chez le là. Yemba. Oui, je crois que oui, Chez c'est là, le ça Yemba. ressemble au Yemba. Oui, c'est le Yemba. Nemzaté ou Inch'Allah. Ah oui, justement, Inch'Allah, c'est pour dire bonjour, effectivement. En fait, le truc, c'est que tu vois, tu lis en français, je lis en Bon, français, c'est et ça, tu as pas après, le truc. je comprends ce que ça signifie. Oui, c'est Inch'Allah, genau, c'est ça, en fait, oui. Inch'Allah. Oui, c'est le Yemba. C'est le Yemba, effectivement. Alors, justement, tu nous as parlé de la transmission, c'est quoi en fait l'importance donc de transmettre notre langue, nos langues à nos enfants? Qu'est-ce que ça fait Oui. surtout, par exemple, pour ceux qui sont au Cameroun ou en Afrique, ça peut être assez facile, c'est OK, mais pour les personnes qui sont dans la diaspora, c'est pourquoi est-ce que ce serait important aussi pour le développement de nos enfants de leur apprendre nos langues? Parce que quand nos enfants vont dehors là, ils vont à la rencontre d'autres enfants et ces enfants-là sont russes, ils sont turcs, ils sont allemands, ils sont hollandais et consorts. Et chacun vient avec sa langue. Donc, c'est ton enfant qui sera pauvre là-bas sans la sienne. C'est vrai. C'est vrai, on va lui Ça, demander. c'est OK, c'est vrai en plus. vrai. Wow. Et je pense que ça peut vraiment aussi jouer au niveau même de la confiance en soi de l'enfant. Parce qu'il va se rendre compte qu'OK, il a quelque chose en moins que les autres et il va se Exact. sentir diminué. Exact. Et wow. Tu C'est vrai vas que je venir, n'avais. il va revenir à la maison, il va te dire.
maman, je vais apprendre le turc. Ou bien, maman, je vais apprendre beaucoup. Les parents qui élèvent les enfants en France, surtout en Île-de-France, ils ont ce problème, les parents noirs, surtout s'ils sont musulmans. L'arabe arrive rapidement parce que eux, ils sont dans leur langue, même dans leur religion, ils sont dans leur langue. Du coup, la colonisation se fait rapidement, quoi. Donc, l'enfant va venir, oh oui, je vais apprendre l'Afrique qui est arabe, sauf Reza. Zangadi, Zanganiou, l'arabe sort d'où? Tu vois, mais c'est Vrai. parce que Oui. la nature a horreur du vide, mes chers parents. Effectivement, effectivement. La nature a horreur du vide. Donc, toutes les personnes qui nous écoutent, ou bien qui vont m'écouter en replay, demandez-vous vraiment, entrez dans votre cœur et demandez-vous, c'est quoi le prochain pas pour asseoir une certaine connexion culturelle avec la langue pour votre enfant. Et faites ce pas-là. Si vous avez des problèmes, faites appel à Brad Tesman, faites appel à Mbolan Challenge. Je veux dire, cherchez quelque chose, OK, mais ne restez pas, ne renvoyez pas demain. Ouais, parce que même, il y a quelqu'un qui a dit, je crois que c'est, comment il s'appelle, Gavi Vaynerchuk, qui a dit l'autre jour que si le corona avait commencé 6 semaines avant, Kobe Bryant serait toujours en vie. C'est-à-dire OK. que, parce que tout était, il y avait le lockdown, donc même son hélicoptère, là, n'allait pas pouvoir, tu vois. Ah Mais, ouais. tout dit Ouais, je que vois. quand tu remets demain, là, voyez-moi qui, donc, il Ouais. faut commencer là maintenant. Quel est le prochain pas vers ce que je désire? Je ne sais pas. OK, il me faut de la clarté. Nous avons ce qu'on appelle des appels de coaching, c'est-à-dire c'est des trucs de 45 minutes où on essaie d'apporter de la clarté par rapport à ta situation. Tu te trouves où? Quels peuvent être justement tes prochains pas? Quelles sont tes difficultés? Est-ce que c'est un cours en ligne qui serait bien, un cours en présentiel? Est-ce qu'il faut commencer d'abord par toi, avant l'enfant? Ou bien vous pouvez le faire ensemble? Ou bien comment? Tu vois? Les gens sont perdus et ils sont perdus seuls dans leur coin. Non, cherche de l'aide. D'accord. Oui, effectivement, tu es déjà vraiment en plus. Ça va être ma prochaine question. En quoi consiste ton programme précisément? C'est un programme en ligne. C'est quoi Oui. exactement? Parle-nous de ton programme. C'est Là, Mbocha Challenge. maintenant, c'est un programme en ligne. Justement, les personnes, je pense qu'on va partager le lien tout à l'heure, des personnes qui voudront entrer dans la prochaine promotion, parce que là, maintenant, on est fermé. Donc, on ouvre tous les 3 mois environ, de tous les 2, 3 mois, on essaie d'ouvrir. Donc, la promotion qui a commencé en juillet, elle va se terminer en septembre, là. Et voilà, on va s'asseoir, on va changer certaines choses et puis on va relancer. Et ça consiste en fait un programme en ligne. Programme en ligne, ça veut dire que tu n'es pas obligé d'être là en même temps que le coach ou là en même temps que le formateur en ligne. Tu peux aussi consulter les informations. Alors, les informations, c'est des vidéos surtout parce que justement, il faut que tu vois ce qu'on dit. Il faut que, enfin, si on fait un exemple, il faut que tu vois comment la bouche bouge. Il faut que tu vois comment l'intonation, ça monte ou ça descend. Donc, il y a beaucoup de vidéos. Il y a des PDF, il y a des audios, il y a des exercices qu'on fait. Donc, c'est un programme en ligne que n'importe qui peut consulter à n'importe quel moment. C'est vrai que la formation d'avant, là, c'était vraiment des lives où on allait live et puis on disait, aujourd'hui, on parle de tel thème, comme ça, comme ça, comme ça. La semaine prochaine, on parle de tel thème, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, c'est une formation de 8 semaines. Donc, il ne fallait pas que ce soit aussi trop long. Les gens sont très busy, très occupés. Avec 10 000 choses à faire, donc on comprend ça. Donc c'est pour ça qu'on a tenu à ce que ce soit en ligne et puis que tu puisses aussi sectionner ça toi-même. C'est vrai que nous, on a déjà un certain, on appelle ça une certaine structure, mais la personne peut structurer ça comme elle veut. Il y a des gens qui font ça, genre une vidéo toutes les semaines, d'autres font 2 vidéos par semaine, ainsi de suite. Donc c'est un programme en ligne et c'est un programme qui ne coûte pas. Quand je vois les programmes qui sont dans le même style, vraiment, nous, c'est cadeau là. Mais bon, ça ne va pas durer non plus. Donc, Et je le c'est pour confirme, lancer, aider, voilà. je le C'est confirme, j'ai assisté toi à un qui de m'as tes demandé programmes ça, en non? ligne. C'est toi qui m'as Oui, demandé que. je t'ai demandé qu'attends, tu fais ça par c'est le bénévolat, Voilà. et pourtant c'est ton Oui. business. J'étais Oui, vraiment choquée au début, carrément. c'était du bénévolat. Au début, c'était du bénévolat, oui. OK. Mais après, Ouais. voilà, ça s'est transformé.
Et quand je vois tout le temps que tu investis dedans, j'étais franchement choquée. Je me suis dit, waouh, waouh, comment est-ce que tu peux vendre ça à ce prix? Donc, Je veux que vous réussissiez. Je veux. Parce que, tu sais, il y a les gens, Francine, qui viennent dire, oh, vraiment, Kamana, j'ai vu. Vraiment, j'aime ce que tu fais, mais je n'ai pas l'argent, machin. Et je voulais, quand j'ai fait le lancement-là, je voulais vraiment qu'on n'ait pas d'excuses pour dire que l'argent, oh, l'argent, je n'ai pas l'argent. Je dis, ma soeur, là, vraiment, 12 euros, là, c'est que j'ai pitié seulement. Tu vois, genre, donc, je veux que tu. Je vois des milliers d'enfants qui sont coupés de leur culture. Et ça, le problème ne peut pas être l'argent, mais on a l'argent pour tout. Mais quand il s'agit de notre culture, on n'a plus l'argent, ça n'a pas de sens. En tout cas, il ne faut pas que ce soit ma faute. On m'a parlé que Oui, c'est moi. effectivement. On a une question de Vianney que Ouais. je trouve très intéressante parce que certaines personnes justement peuvent comprendre que tu enseignes les langues. Et je pense que c'est Le important de lever contenu. Ah l'équivoque. ouais. Oui. Ouais. Non, je crois c'est, je crois, Vianney. Vianney Brian, oui. Ok. Non, regarde Vianney. Comme on a dit tout à l'heure, l'être humain est naturellement intelligent. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait d'emmagasiner des mots et des lexiques. Et ce n'est pas ça son problème. Il peut faire ça. Et il y a plein d'écoles qui le font. Ce que nous faisons en bon challenge, c'est qu'on dit, OK, maintenant que tu as ce contenu, tu fais quoi avec? Comment est-ce que tu arrives à parler? Parce que beaucoup de gens connaissent la grammaire, connaissent le vocabulaire, ils récitent les 500 premiers mots en bas, mais ils n'arrivent pas à aligner une phrase. Il n'arrive pas à sortir même enfin, un paragraphe, c'est même trop dire, quoi. OK? Donc, et ce sont ces techniques-là qu'on apprend. On apprend à utiliser le contenu au quotidien, surtout si tu es en diaspora, si tu vis en France, au Canada, en Allemagne. Tu es d'accord avec moi que ce n'est pas le bassa qui est la langue avec laquelle tu es le plus en contact. Voilà. Effectivement. Donc, comment est-ce que le Mbola Challenge, ça t'aide à rester en contact avec la langue africaine de ton choix, quel que soit l'endroit où tu vis, si tu vis en diaspora. Donc, ce n'est pas un programme de contenu, genre, comment on dit bonjour en ceci, ce n'est En pas ça le. Yamba ou en Voilà. Féfé, ou justement. Voilà. La question qu'on pose, c'est la dernière fois que tu as salué en ta langue, c'était quand? La dernière fois que tu as dit bon appétit en ta langue, c'était quand? La dernière... Il y a une dame, tu lui demandes la dernière fois que tu as parlé ta langue, parce qu'elle me disait qu'elle n'a pas besoin de mon programme, qu'elle connaît sa langue. Je dis OK. La dernière fois que tu as parlé ta langue, c'était quand? Elle me dit, je lui dis, c'était ce matin? Elle me dit non. C'était hier? Non. C'était la semaine passée? Non. En fait, et c'est là, elle me dit, ah, je vois. Je dis, oui, exactement. Mon problème n'est pas quelle quantité de langue, de ta langue tu connais. Oui. Mon problème, c'est le peu que tu connais. Et que si tu appliques, Est-ce que tu appliques effectivement? voilà. Même si tu connais seulement bonjour, est-ce que tout le monde là, tu dis bonjour? Ne serait-ce que les Africains, parce que, bon, si tu dis, il y a Mme Blanc, peut-être. Bon, il y a les Blancs que ça intéresse, hein? Oui, il va comprendre. Il Bon, va même te demander c'est quoi la langue, c'est quelle voilà, langue en fait. Il va vouloir que exact. tu lui parles de ta langue même. C'est ce que nous on devrait même aussi faire. C'est ce qu'on devrait faire. On devrait être plus offensif là-dessus. Si tu as peur que la personne ne comprenne pas, tu peux jumeler. C'est une technique aussi qu'on apprend dans le Mbola Challenge, la technique de jumelage, où on dit, OK, au lieu de dire juste Yamela, tu dis bonjour, Yamela, OK? Tu salues la personne et puis tu lui demandes comment ça va, parce que je pense que c'est ce que ça signifie en fait. Ou alors, comme moi, je dis toujours Mbola, bonjour. Moi, je ne réfléchis même plus. Les gens me disent, mais comment tu fais pour ne pas oublier? Voici une autre technique. Les gens qui sont en ligne, je vous donne trop de trucs aujourd'hui. Ouais, bon, c'est trop bien. Voici une autre technique que j'utilise moi-même. Pour ne pas oublier, je fais quelque chose de très simple. Quel que soit ce que je fais, que je parle à ma fille ou bien que je parle à n'importe qui, quelle que soit la quantité, je commence avec ma langue, je termine avec ma langue. Ce qui se passe au milieu, si je me souviens que je suis bêtise, le bêtise va sortir seul. Mais si je ne me souviens pas, ce n'est pas grave. Tu vois, je commence à ma langue, je clôture toujours à ma langue. Donc, je suis toujours dans Bolan, bonjour, comment ça va? OK? Donc là, j'ai déjà planté le décor. Et puis, moi, je clôture toujours à ma langue, que ce soit le revoir, que ce soit le à plus tard. Moi, les trucs de à plus tard, pourquoi? Bibala! À plus tard, c'est qui? C'est le nom de qui? Je veux dire, Oui. donc, voilà comment on fait. Tu vois, c'est vraiment des petites. Et on te prend une astuce comme ça pour cette semaine. La semaine prochaine, on ajoute une autre. Ainsi de suite. Et tu vois, à la fin de l'année, tu es quelqu'un d'autre. Si tu fais le Oui. programme. Oui, et j'ai envie de vraiment de dire à quel point cette technique est
elle est percutante. Elle est vraiment, ça fonctionne. Parce que je t'ai dit que tu t'éteins sur moi, en fait. L'autre Oui, jour, on a moi, je connais, échangé. je dis que, mais... Effectivement, connais l'autre jour, on a échangé. Et en partant, j'ai dit, Bibala, voilà, sans même m'en rendre compte comme ça. Tellement, Voilà, c'est comme chaque fois que ça. je suis en contact avec toi, tu dis toujours bonjour Ouais. en ta langue et au revoir en ta langue. Donc, ça fait que moi aussi, je me suis retrouvée spontanément comme ça. J'ai aussi, pour dire au revoir, j'ai écrit Bibala. C'est après, quand tu me Voilà. fais la remarque, que j'ai dit, ah oui, mais c'est vrai. Donc, ça Voilà. veut dire C'est que c'est... quand on dit que tu es la somme des 5 personnes que tu côtoies le plus. Donc, si tu as le Mbolan challenge ou bien si tu as le souci des langues, fais en sorte que dans ton cercle, les gens que tu côtoies le plus, qu'il y ait une personne qui a vraiment de l'intérêt pour ça. C'est pour ça que les gens prennent des coachs. C'est-à-dire quelqu'un qui va être là régulièrement pendant un moment, Oui. peut-être 2 mois, 3 mois, en train de lui rappeler que hey, tu dois faire ça, hey, tu dois faire ça, hey, tu en es à quel niveau? Hey, tu vois? Donc, c'est un peu ça. On appelle ça les neurotransmetteurs. Non, comment on appelle ça, Kadia, déjà? Non, ce n'est pas les neurotransmetteurs, c'est les neurones miroirs. Voilà, c'est les neurones miroirs. C'est-à-dire que dans notre cerveau, il y a des neurones dont le rôle, c'est de mimer notre environnement. Donc, si tu es constamment en contact avec les gens qui sont toujours en train de pousser la langue en avant, à un moment donné, soit tu vas pousser la tienne, soit tu vas les imiter. Donc, c'est aussi une technique, quoi. Oui, et d'où l'importance vraiment encore de donner à nos enfants. Nos enfants, par exemple, il y a mon fils, par exemple, une fois il arrive à la maison, il me parle. Je ne comprends pas. Je lui dis que tu as dit quoi? Il me dit que c'était ma Hungerheimsprache, pour dire ma langue secrète avec mes amis. Ah! Et je trouve ça bien. Je me dis, les enfants ont aussi envie parfois de parler et que les autres ne comprennent pas. Donc, si déjà même toi, tu parles ta langue avec ton fils, tu peux peut-être le chercher à l'école ou à la crèche, C'est tu déjà parles votre avec ta grande langue. phrase. Oui. Exactement, c'est déjà votre milieu que vous êtes en train de créer et il se sent bien dedans et c'est aussi Exact. même très fier. Je vais même aussi prendre un simple exemple avec le français. Bon, c'était malheureusement avec le français. Oui. J'étais avec d'autres mamans, je suis allée chercher mon fils à l'école. Et quand je suis arrivée, je lui ai parlé en français. Et il y a un de ses camarades qui a demandé que c'est quoi, qu'est-ce que ta maman a parlé. Il a dit, c'est notre. Il a dit, il était fier, hein, vraiment. Il a dit, c'est notre langue. Bon, c'était. Oui, c'est notre C'est comme langue, ça, ouais. le français. J'imagine que si ça avait été ma langue maternelle, si ça avait Yemba été ou bien le le Tutu ou le Lidou. Yemba, ça aurait été, Oui. ça, moi-même, ça m'aurait rendu vraiment très fière. Ouais, Donc, en fait, c'est vraiment, bien. c'est. C'est bien. Il faut juste un pas de plus, c'est déjà ça. Oui, effectivement. OK. Est-ce que vous avez encore des questions? Donc, on a répondu à Vianney. Il y a Simplice qui dit, le portail peut s'ouvrir à toutes les langues. Le coach peut Oui, sortir. on peut partager, tu sais, le lien que je t'avais donné. Je pense qu'on peut le partager. On va partager un lien à la fin et comme ça, vous pourrez vous signaler ceux qui sont ceux qui aimeraient participer au prochain programme ou alors signaler de l'intérêt. Après, on va vous donner les directives. Comment est-ce qu'on fait pour épingler? Pour Là, épingler un. ouais, je viens de voir ça là, mais. Oui, voici le lien que tu m'as envoyé. Et il faut. C'est pour le prochain programme, en fait, c'est ça? C'est pour le prochain programme. Donc, quand vous cliquez sur le lien, vous allez arriver. Là, on est déjà sur les cadeaux finalement. Les personnes qui vont donner un certain code. Non, attends, je t'arrête. Pas encore. OK. Non, non, Bon, je ne le dis pas non. encore. Pas d'accord, non, justement. OK. Pas Bon. d'accord, non, non, donne pas d'accord le cadeau. Il faut qu'il reste jusqu'à la D'accord, ok. fin. Pardon, pardon, pardon. Oui, Restez donc. jusqu'à la fin. Donc, je pense que vraiment, je suis. En fait, je suis vraiment, comme je le dis, je t'ai dit, je suis vraiment très ravie que tu aies accepté notre invitation et qu'on puisse parler. De ça, j'avoue aussi que depuis que je te connais depuis quelques années, mais c'est depuis quelques temps récemment que j'ai vraiment été vraiment en contact avec toi. Et quand j'ai même pris le programme Mboka 2.0 une Oui. semaine là, c'était par curiosité, je t'assure, c'était par curiosité, je me suis dit OK. Moi, mais Parce que je suis dans le qu'est-ce même qu'elle cas, je fait? vais te dire, je parle ma langue, je parle le Ntumo très bien, qu'est-ce que je n'ai pas besoin de ça en Tu veux fait. quoi? Oui! Et je suis venue par curiosité dans ton programme, mais j'ai été éblouie. Je me suis dit, waouh, franchement, je ne m'y attendais pas. J'étais vraiment fascinée par ça. Et les techniques que tu apprends, ce sont des choses qui, ça peut La preuve. paraître, ça peut paraître vraiment très banal, c'est simple, mais on n'y pense pas soi-même. Et on ne sait pas aussi
qu'est-ce que ça apporte comme résultat. Donc, vraiment, les personnes qui nous suivent et qui ressentent le besoin de transmettre, mais même si ce n'est pas pour toi, même, et bien que ce sera pour moi, ça sera pour mon enfant également. Parce que comme tu as dit, si je peux déjà penser, si je ne peux pas déjà penser en Yemba, par exemple, je ne peux pas transmettre ça à mon fils également. Sera dur. Voilà. Tu vas le faire pendant une semaine, 2 semaines. Tu vois, les gens, des fois, ils commencent et ils tiennent peut-être un mois. Le deuxième, bah, ils laissent tomber avec tout ce qu'il y a à faire au quotidien. C'est facile de laisser Oui, tomber. on Pourquoi? Parce que oublie, oui. ce n'est pas entré dans la routine de la vie de la personne. Il faut que ça entre dans ta routine de vie. C'est pour ça qu'on te dit, OK, qu'est-ce que tu fais régulièrement? On dit, OK, voici les 10 choses que je fais régulièrement. OK, on prend chacune de ces choses et on épingle un truc en langue. C'est un D'accord. peu comme ça qu'on travaille. OK. On est en train de tirer vraiment la fin. Normalement, on a dépassé le temps qu'on s'est Oh, parti ouais, pour 1 heure et l'émission. quelques. Oui, vraiment, désolée. Mais je veux, s'il te plaît, qu'on parle. On ne peut pas parler de. On ne peut pas t'avoir, Kamana, sur un plateau et on ne parle pas de Keleyena. On ne parle pas de Mimi Nyanga. C'est comme ça que moi, je t'ai découvert, en fait. Dis-nous, c'est ton autre entreprise, Keleyena, Mimi Nyanga. Parle-nous de cette entreprise, s'il te plaît, Donc, avant qu'on alors, te sépare. Kelena, parce que j'ai envie de dire, oui, mais tu parles langue africaine, puis toi-même, tu ne portes rien d'africain. Je dis, attends, t'as bien regardé là, t'as bien regardé. Mais non, en fait, Kelena, on vend des cadeaux afro. Donc, au début, les gens, quand on disait cadeaux afro, les gens pensaient que c'est des tissus afro, forcément. Ou... Non, l'Afrique, ce n'est pas que ça. L'Afrique, ce n'est pas juste ce que les gens imaginent que c'est. OK? C'est justement avec Mimi Nyanga qui est l'un des best-sellers vraiment de Kelena. C'est une gamme de produits qu'on a mis en place pour aider les parents afro à préparer la rentrée. Donc, tout ce dont l'enfant aura besoin pendant la rentrée, soit peut-être les petits cahiers, les gourdes, dernièrement, on a ajouté les gourdes, on n'en avait pas. Mais les parents nous ont demandé ça, donc on a ajouté les gourdes. On a ajouté plein de choses, les sacs de sport, en tout cas, tout ce dont l'enfant a besoin pour son école, quoi. Il faut que l'enfant soit confronté régulièrement à des images positives de lui-même et des gens qui lui ressemblent. Et c'est comme ça que ça développe aussi sa confiance en lui. Parce que quand l'enfant est bombardé tout le temps exclusivement par la princesse des neiges, Hello Kitty et tous ces gens-là, c'est bien. Elsa et autres, oui. Voilà, mais Elsa, voilà. Mais c'est bien aussi de leur donner d'autres types de princesses où les enfants peuvent se retrouver. D'accord. Donc, Donc, c'est Mimi ça qu'on Nyanga, fait en avec fait, c'est les un enfants. personnage Oui. africain, un personnage afin que Voilà. les enfants puissent reconnaître. Et je vois Voilà, c'est un justement ton personnage africain. décor là derrière. Justement, là derrière, c'est les cahiers. Ça, c'est les petits garçons. Ah non, c'est de l'autre côté. Ah ouais. Oui. Les petits garçons, parce qu'en fait, on nous avait demandé. Avant, on n'avait que les petites filles et les gens disaient, oui, mais c'est discriminatoire, vous ne faites que pour les filles. Y a pas pour Oui, les garçons. mais en fait, il y a plus de naissances de filles que de garçons, du coup. Quand tu fais ta OK. segmentation de marketing, en fait, Oui, tu oui. commences par les filles. Oui, d'accord, oui, je Donc, vois. c'était plus ça, mais après, on a aussi sorti pour les garçons. Donc, maintenant, tout le monde est servi, quoi. Mais les garçons ne s'appellent pas, c'est pas Mimi Nyanga, non? Non, c'est Sangomuna. Ah, d'accord. Non, non, mais Nyanga, c'est vraiment le Nyanga, c'est Eki, non, non, on ne mélange pas. Je me sens Mimi Nyanga aujourd'hui. Mais sinon, Keleena même, c'est la boîte mère, quoi. Donc, on a sorti juste Mimi Nyanga de là parce que, voilà, c'est petit à petit, ça va devenir une marque propre parce que les gens nous demandent que ce soit le cas. Mais sinon, les cadeaux normaux comme ce que je porte là, parce que les gens disent, mais Toudé Natoudé, ce n'est pas une langue africaine. Je dis que oui, mais c'est le pidgin camerounais. C'est déjà ça. On est en route déjà là. Donc, il n'y a pas de souci. OK. Bah, je pense que c'est le site, c'est keleena.com, c'est ça? Le site pour les cadeaux africains, c'est kelena.com. Ceux qui veulent, à partir de là, vous arrivez aussi sur miminyanga.com, il n'y a pas de souci. Miminyanga, vraiment, comme vous savez, hein, comme vous savez au Cameroun, Miminyanga, comme ça s'écrit là, il n'y a pas de souci. OK, d'accord. En fait, je crois, j'ai mis tout à l'heure. Attends, que je retrouve. Oui, ça, c'est justement l'offre qui est encore valable. Trois cahiers achetés, un offert. Cinq cahiers achetés, deux offerts. Donc, ça D'accord. va aussi pour Sangomuna. OK, d'accord. Alors,
On va revenir. Oui, ça veut dire que tu as les programmes que tu ouvres, il y a les programmes pour enfants, les programmes pour les adultes. Et c'est quand la prochaine, les prochaines, Pour les là. langues africaines, oui, pour les langues africaines, pour le moment, on n'a pas de. C'est-à-dire que quand pour le moment, on vise vraiment les parents, parce que voilà, pour les enfants, on n'a qu'en présentiel. C'est-à-dire que l'enfant vient vraiment, parce qu'on voudrait que l'enfant vive aussi quelques. Voilà, les conversations classe comme ça. À la fin de cette année, il y aura une conversation classe comme ça en langue Ewondo déjà. Les autres langues, ce sera selon le besoin, ou enfin seront les gens qui se seront enregistrés. Parce qu'il faut aussi un nombre minimum en présentiel pour que la classe ait lieu. En Oui. ligne, voilà, chacun consulte comme il veut, Comme il quoi. veut et quand il veut, oui. Voilà, la personne prend le programme. C'est vrai qu'on est en lancement. Le prochain lancement, ce sera en décembre, au plus tard janvier, dont les personnes qui sont intéressées peuvent déjà se mettre sur la liste, quoi. Et puis, voilà. D'accord. Bah, merci, merci, merci. Avant qu'on se sépare, j'ai envie de savoir, Kamanadino, c'est quoi ta Oui. vision? Je crois qu'on a déjà, les personnes qui ont suivi cette émission aujourd'hui ont déjà compris, en fait, c'est quoi ta vision avec Mbolan Challenge. Mais dis-nous ça encore en quelques mots, les projets futurs, la vision de Mbolan Oui. Challenge. La vision de Mbolan Challenge, c'est que on puisse, entre Africains, Camerounais en particulier, mais Africains en général, se parler sans avoir besoin d'un interprète de Paris ou de Londres. C'est ça notre vision. En fait, une fois que notre vision est pleine, on n'aura plus besoin de nous. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Oui. C'est pour ça qu'on est là-dedans. Que dans une émission comme ça, que ce soit normal, tu sais, tu vois, j'ai parlé au tout à l'heure, tu as vite fait d'expliquer aux gens, machin, machin. Donc, en fait, on est encore en train de s'expliquer de pourquoi on est nous-mêmes. Et on devrait arriver à un niveau où on ne le fait plus, où on est juste nous-mêmes. Exactement, Où oui. quelqu'un peut parler Bassa, il n'y a pas de souci, il peut parler Yemba, il n'y a pas de souci. Pour le moment, c'est encore un problème. Et c'est pour ça que même au niveau développement, on a du mal à se déployer. Parce que le développement, c'est la capacité à se déployer. Or, si tu veux parler, tu parles un peu doucement là, tu ne sais pas comment l'autre va prendre et tout. Ça, c'est Oui, déjà, voilà, c'est c'est pas vrai que nous. Donc, c'est ça notre vision, quoi. Que Mbolan Ouais, c'est pas Challenge, beau, avec d'autres hein. initiatives, participe à inspirer des gens qui vont faire en sorte qu'on n'ait plus besoin, on n'a jamais eu besoin d'interprètes de Paris et de Londres. Ça, c'est une vision qu'on nous a vendue, qu'on nous a imposée. Et je sais qu'il y a des gens qui viennent aussi souvent me dire, oui, mais Kamana, c'est la réalité, le français, c'est notre langue officielle. Je dis, mon ami, tu peux lutter contre une réalité qui ne t'arrange pas. Tu as le droit. C'est pas parce que quelqu'un vient t'imposer une réalité que tu peux l'accepter sur le moment, pour les raisons, voilà, mais tu as le droit de changer une réalité qui ne t'arrange pas, qui va à l'encontre de tes intérêts. D'accord. Bah oui, c'est vrai que tel que c'est peint là, c'est vraiment pas beau et ça doit changer. Les choses doivent vraiment changer. C'est pour cela également que c'est très bien qu'on ait des personnes comme toi qui mettent ce genre de concept en œuvre pour en place pour pouvoir justement montrer aux autres que OK, il y a un problème, mais il y a également une solution. Et Solution, voilà la exact. solution que nous on apporte. Et voilà. Donc bravo à toi pour ton initiative et je Merci pense à que il y aura beaucoup d'autres initiatives pareilles et ce serait vraiment bien. Ce serait comme plus pour nous, pour les Africains. absolument, absolument. D'accord. Bah, justement, maintenant, on peut parler des cadeaux. On peut parler des cadeaux, justement. C'est une tradition à Spotlight que nos invités apportent un cadeau à notre communauté, à la communauté de Bratesmind. Donc, dis-nous, qu'est-ce que tu as réservé pour nous comme cadeau, s'il te plaît? Oh, j'ai apporté plein de cadeaux. OK, ce sera Ah, encore la cool! première J'adore année. les cadeaux! Donc, deux cadeaux. Le premier cadeau, c'est peut-être les gens qui, s'il y a des gens qui connaissent un peu notre communauté, qui connaissent un peu ce cadeau, c'est un cadeau, enfin, un cadeau gratuit. Enfin, une masterclass gratuite que nous offrons à toutes les personnes qui joignent notre réseau. Dans cette masterclass-là, parce que souvent, des fois, même les gens comprennent la nécessité et se lancent. Mais comme ils n'ont pas l'accompagnement, ils font certaines erreurs. Et puis ça fait en sorte que ça crée même d'autres problèmes par la suite.
Donc, on a fait une petite masterclass où on a disséqué les 5 erreurs qui sont très courantes et comment est-ce que les gens peuvent, ce que les gens peuvent faire à la place, quoi, lorsqu'ils sont confrontés à ce genre de situation. Donc, si tu as l'intention soit de transmettre ta langue, soit d'apprendre mieux ta langue, soit d'une quelconque manière de t'en rapprocher, fais attention à prendre cette masterclass, c'est gratuit, parce que voilà, ça va t'éviter d'apprendre des choses à tes dépens, disons comme ça. Donc voilà le premier cadeau. Maintenant, le deuxième cadeau, on vient avec une réduction de 15% sur la prochaine promotion. Donc, toutes les personnes qui sont en ligne, si elles donnent un certain code en cliquant sur le lien qu'on leur a donné tout à l'heure, elles vont arriver sur une page, elles donnent leur adresse email et le code en question. Et puis, ça leur fait déjà une réservation. Mais alors, c'est sans engagement. Donc, vous n'êtes pas en train de payer un truc en ligne. Vous êtes juste en train de dire, je suis intéressé à suivre telle formation. Et puis, lorsque le lancement va se faire en décembre, janvier, on vous informe et vous avez automatiquement 15% de réduction. Seulement pour les personnes qui sont sur le live. D'accord. Les personnes, ou qui peuvent, il y a beaucoup de personnes qui vont regarder en Qui vont replay. Les suivre personnes aussi, qui oui. sont, qui font partie de notre communauté, ça veut dire nos abonnés. Exact, C'est un exact. cadeau qui est réservé à nos abonnés. Donc, s'il y a des gens qui nous regardent et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant parce que justement, chaque semaine, on a des cadeaux divers comme ça et qui sont uniquement dédié à notre communauté. On a par exemple la semaine, il y a quelques semaines, un jeune homme qui a gagné une tablette qui a été Wow. sponsorisée par Monsieur Dago, par Sendnow Marketing. Et justement, Cool. c'était justement un cadeau aussi pour quelqu'un de notre communauté. Donc, juste pour le lien par rapport au premier cadeau, on va sur ton site Bolan mbolanchallenge.com. Challenge. Bolan Challenge. Et là, bon, il faut aussi aller sur Bolan Challenge. Disons, laissons ce lien-là parce qu'on fait le lien un peu autre, mais c'est pas grave. Les personnes qui s'enregistrent aussi ici, elles ont directement accès à ces masterclass, le premier cadeau, oui. Ah, d'accord, mais avec le deuxième, ok, attends, j'ai publié aussi l'autre lien. Avec ce lien-ci, ils ont accès aux deux cadeaux en même temps, mais pour avoir accès au deuxième cadeau, il faut préciser qu'on vient de Spotlight. Et le code, c'est Spotlight 18, c'est notre 18e édition. Donc, le code, c'est Spotlight 18. Ça veut dire que les gens qui vont cliquer sur ce lien qui s'affiche là en ce moment à l'écran, ils vont recevoir le premier cadeau déjà. Oui. Et ensuite, ils vont recevoir. 5% sur la formation si jamais ils veulent l'apprendre. D'accord. OK. La Wow. C'est. Merci. Merci infiniment. Et c'est pour tout le monde. C'est pas restreint à un certain nombre de Non, c'est personnes. pas, on s'est dit, voilà, est-ce qu'il ne faut pas restreindre aux 10 premiers, un truc comme ça. On a dit non, on ouvre, enfin, on veut que le plus grand nombre fasse cette formation parce que ça peut vraiment aider une petite fille quelque part, un petit garçon, une Oui. famille. Une Oui, famille, effectivement. ça crée vraiment les liens. Quand une famille est à table et ils sont sur le point de manger, et puis au moment de dire les grâces, la petite fille dit les grâces en langue et Ondo. Non, mais c'est magnifique. C'est Oui, juste vraiment. magnifique. Donc, tout le Effectivement. monde rêve de ça. Donc, j'aimerais Oui. ça. Ce miracle-là, j'aimerais ça pour tout le monde. Wow, super. Bah, merci, merci infiniment, Kamana, pour ta générosité. Vraiment, c'est très généreux de ta part. Merci. Et c'est, il faut s'enregistrer. Pendant un temps, c'est limité. Non, c'est-à-dire qu'il faut juste cliquer le lien et vous arrivez sur la page. Je crois c'est, il faut juste donner l'adresse email et le code en question, le code qu'on a dit là. Et puis comme ça, vous êtes directement dans une base de données où on sait, OK, les personnes de cette base de données ont droit à tel, tel, tel. OK. Donc, vraiment, c'est très important. N'oubliez pas pour les personnes qui veulent bénéficier des deux cadeaux, n'oubliez pas vraiment de donner le code Spotlight 18. De toute façon, dans la semaine, au courant de la semaine, on va encore faire un post avec le Pour code, avec appeler le lien et tout, et on va détailler encore clairement comment est-ce que ça se passe. Merci, 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 merci infiniment, Kamala. André, Merci. c'est C'est très moi qui généreux dis merci. C'est de ta moi qui dis merci. Me mara bouingan, part. Abouingang. abouin Excusez-moi. Alors, on va passer à notre dernière tradition, c'est le parrainage. À Spotlight, on impose à nos invités, donc on demande gentiment, on demande gentiment, on demande gentiment à nos invités de parrainer quelques personnes qui peuvent également passer à cette émission. Parce que justement, comme je l'ai dit au départ, nous sommes là pour partager la connaissance. Le fait d'avoir
différents profils qui passent à notre émission, ça nous enrichit encore plus. Donc, si tu connais des personnes qui peuvent passer à cette émission, on sera vraiment reconnaissant d'avoir leur contact, que tu nous donnes leur Oh contact. là là, ils sont tellement nombreux, par où commencer? Ben, je peux prendre tout après, hein, je peux prendre tout après, mais si tu peux juste nous Ouais. citer quelques-uns, ce Disons serait pas mal quelques-unes déjà. en live. OK. OK. Commençons par. Parce qu'il y a les femmes qui se battent. Quand tu vois ce que les femmes font à côté encore et qui arrivent à se battre, c'est vraiment magnifique. Interviewer, je sais qu'elle n'aime pas beaucoup les caméras. Mais interviewer quelqu'une comme Corinne Yonke, c'est la fondatrice de Phenomenal Woman. Ah, ok. Ah bon, je savais pas. Waouh. En fait, elle croit qu'elle se cache, mais on la Ok. voit très bien. Elle fait un gros travail au niveau de la. C'est vrai qu'avec le corona, là, bon, il y a beaucoup de choses qui se sont déplacées. Mais au niveau justement de mettre la lumière sur les femmes qui aident à avancer, elle fait un gros travail là-dessus avec oh God, Ariane Fritzsche. Elle est fait plus dans la danse. OK. La danse afro. Interviewer quelqu'une comme oh, c'est la chanteuse Menocha. Je ne sais pas si tu la connais. Mais nos Menocha. chans. Et pour moi c'est plus, ça ressemble à, moi j'aime son style, c'est un peu genre afro blues, un truc comme ça. Interviewer OK. quelqu'un, oh, Karine Gombok, ok, de Mboki, OK. elle est la fondatrice du magazine Mboki. Elles sont tellement nombreuses. Donc Oui. Bah, je vais avoir voilà échangé trois quatre noms déjà. en backstage Voilà. justement. Merci, merci pour tous ces noms. En backstage justement, on va donc échanger les contacts et puis Oui. Ah, je peux donner un dernier nom, un homme quand même. Ils vont dire que je suis discriminée. Chercher comme quelqu'un, Fanuel Chomgi. Fanuel, oh oui, Fanuel, Oui, oui, je connais absolument. Fanuel. Ok, d'accord. Merci, je serais très ravie d'aller vers toutes ces personnes et de les avoir à Spotlight. Voilà. Et sinon, les autres noms, je peux te donner en aparté. D'accord, je prends tout. Anembo. Je crois qu'il voulait dire Anumbeng. Anembo. Ah, ok. Poudi, c'est bon. C'est ce qu'il a l'habitude de dire. Poudi, c'est bon. C'est bien. Ah. Bon, en langue bétière, on dit Anayok. Anayok, ça veut dire Anayok? qu'il est méchant. Il est. Axo? Mais Anayok. attends, lui, il va plutôt dire qu'il est bien, il est bon, Oui, il est gentil. Lui, c'est en fait, bien. c'est de l'ironie, en fait. C'est de l'ironie. Ah, Quand on dit d'accord. Molana York, ça veut dire, enfin, ça veut dire qu'il est Et Poudi, qu'il est mordant, il est, méchamment bon. voilà, il est méchamment Ok, cool, super. Ah, merci, merci, merci. Comme maintenant, on va te libérer. Merci d'avoir pris le temps de venir à notre émission pour nous C'est moi édifier. qui te Merci, remercie et c'est moi vraiment. qui te félicite pour cette plateforme que tu as mise en place, le courage que tu as. Je crois que c'est, je sais pas, je suis depuis quelques mois, je ne sais pas si ça fait longtemps, et moi, c'est depuis quelques mois que je suis. Ça fait pas Surtout. longtemps. En fait, c'est une équipe. Nous sommes Bratesmind, c'est une équipe. Nous sommes un groupe. Et on a commencé à faire justement des rencontres. Au début, on avait pensé faire des rencontres physiques. Et en 2019, on a pu organiser justement deux networking events. En 2020, avec la restriction, le Corona. confinement, justement, on ne pouvait plus continuer à se rencontrer physiquement. On s'est dit, OK, il ne faudrait pas que notre initiative meure. Il faut qu'on continue d'une certaine manière à parler, à réunir les gens, à connecter les gens, parce que c'est ça le but, de créer des réseaux, de créer des synergies justement avec les personnes qui veulent changer, qui veulent bouger, qui veulent faire changer les choses, quoi. Donc, on a donc Corona, grâce à Corona, l'idée de cette émission. Et voilà. Donc, c'est depuis mai, en fait, depuis fin mai, que nous, on a commencé à Ah, donc je se. suis là depuis le début, alors, ok, Oui, cool. tu es vraiment là depuis le début. Oui, c'est une émission. C'est vrai que moi-même, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps, mais Longtemps. c'est juste depuis mai. Et chaque semaine, on est là et on invite quelqu'un de particulier, de spécial comme toi. Et puis voilà. Et on Bravo. partage la connaissance ensemble et on apprend tous Bravo, ensemble. maintenant. Bravo. Bravo à toute l'équipe. Donc, Je ne sais pas qui est derrière d'autres, mais oui, mon équipe voilà. est là. J'ai vu quelques personnes Ah, connectées brillant. là. Il y a. Il y a
il y a Vianney Bryan qui est justement de l'équipe What is Mind, voilà, Vianney. Oui, celle qui a posé la question des langues au programme. Oui, on a répondu à la question, je pense. Oui, justement, tu as répondu à la question en disant que ce n'est pas les langues, c'est en fait les techniques Les de techniques de apprendre. langue. Oui, justement, ce n'est pas le contenu en fait que tu apprends. On a également Pierre Ngama qui est aussi de l'équipe. Je crois que ce sont les deux membres de l'équipe que j'ai vu connecter aujourd'hui. Oui. Bonjour Donc, Paola. merci à vous déjà, les gars, pour le travail en backstage. Ce n'est pas seulement moi. C'est vrai que c'est moi qu'on voit tout le temps à l'écran. C'est moi qui prends tous les honneurs, mais Ouais. il y a une équipe. Il y a une équipe derrière et voilà. OK. Donc, merci à toi. Et voilà, comme mot de fin, Ouais. qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu aimerais dire à toutes ces personnes, à toutes ces familles qui Ouais. n'osent pas leur langue? J'allais dire, je vais dire doser le bilinguisme. Donc, il ne s'agit pas, nous ne sommes pas ici pour dire que cesse de parler français ou anglais ou allemand ou je ne sais pas quoi. C'est pas, donc, il y a des gens qui ont des peurs là, que non, je reste avec le français, c'est une bonne langue et tout ça. On n'est pas là pour te dire de cesser de parler français, mais on est là pour te dire que tu as la possibilité de faire asseoir un bilinguisme qui rend tes ancêtres fiers. Donc, si tu parles français, que tu parles féfé, tu es bilingue. Si tu parles féfé, que tu parles bassa en même temps, tu es bilingue. Okay? Donc, le bilinguisme, cher Camerounais, ce n'est pas juste français-anglais. Anglais, oui. Commencer à ouvrir cette définition-là pour inclure, pour réinclure les langues africaines. Parce qu'au final, si quelqu'un vient t'apporter le bilinguisme, mais que ce bilinguisme-là est dépourvu d'une langue africaine, je dis souvent, tu n'es pas dans le bilinguisme, tu es dans le ndoutou. Le ndoutou, c'est la Tu es sous-forme. là, Tu es dans le ndem, le voilà. Le ndem, le ndoutou. Donc, en fait, tu es en train d'un ndem grave. Il faut sortir de ça, il faut oser un bilinguisme qui est fier, dont nos ancêtres peuvent être fiers. Il ne faut pas faire les choses que si ton ancêtre, tu vas commencer à gratter la tête. Non, tu es ici, là, tu as ce temps, utilise-le à bon escient et quand tu vas arriver là-bas, Tu tu auras laissé seras quelque fier chose de concret, oui. de montrer ce que tu as fait, de dire voilà, j'ai l'héritage, parce que même quand tu parles français, tu es en train d'entretenir l'héritage d'autrui, en fait. Oui, effectivement, oui. Donc, ce que nous, on te propose, c'est en même temps d'entretenir l'héritage d'autrui, peut-être parce que tu es dans un système qui te pousse à le faire pour vivre, pour manger, tu vas travailler en français, en anglais, allemand, mais tu as ce concept qu'on te propose. Qui va mettre dans ta vie un système où automatiquement tu seras amené à travailler l'héritage de tes ancêtres d'une manière automatique. Donc pourquoi ne pas D'accord. l'utiliser? Effectivement. Bah, c'est sur ces belles paroles qu'on va se séparer, qu'on va te dire au revoir. Moi, je vais rester encore un petit moment avec ma communauté pour conclure l'émission. Mais toi, on te dit D'accord. déjà vraiment merci d'avoir été là et puis excellent dimanche. À Bouinga, on me l'a à tout le monde. Bibala. Bibala. Bitob de me voir. Akiba. Akiva. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai passé un très beau moment, j'ai passé un très beau moment dans cette émission. J'espère que vous avez pu, à travers cet échange, à travers cet entretien, que vous avez pu retirer quelque chose qui pourra déjà vous servir, même dès maintenant, dès l'instant. Je pense que les techniques que Nadège a partagées avec nous peuvent déjà être implémentées dès maintenant. Donc, chers parents, n'attendez plus, et même pas seulement les parents, même pour vous-même. Elle a dit, le travail, ça commence, il y a un travail de fond à faire, ça commence à l'intérieur. Ça veut dire qu'il faut changer son état d'esprit par rapport aux langues. Quand on pense, même quand on est seul, quand on fait des dialogues internes, des monologues même, qu'on le fasse déjà en nos langues. Ça fait en sorte qu'on commence à avoir l'habitude, d'être au contact chaque jour, chaque fois avec notre langue. Et puis plus tard, quand on va vouloir transmettre cette langue, ça ne sera plus si difficile que ça. Donc,
Vraiment, merci à Nadège d'avoir partagé tout ça avec nous. Et allez implémenter, ne recevez pas seulement les informations et vous restez dessus sans rien faire. Implémentez ça et puis je suis sûre que dans quelques semaines, vous allez constater les changements et puis vous viendrez peut-être nous dire, vous faites des rapports ici à Spotlight. Donc merci à toutes les personnes également qui ont été connectées. Merci à Monsieur Dago d'avoir été là. On a été très ravis de t'avoir. Merci à Kevin. Merci à Edkeben Kamjo qui était là. Merci à toi. À toutes les personnes qui étaient connectées. Il y avait encore qui. Merci à Sandra. Ah, Francine, tu es magnifique. Merci ma chérie. Merci infiniment. Merci à Marcel Missé qui a été là. Merci à tout le monde. Merci à Roméo. Bref, vous tous qui avez été connectés, qui avez pris de votre temps pour vous connecter aujourd'hui, merci infiniment. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler aussi de quelqu'un qui a déjà été un de nos invités, mais dans un autre cadre. Et depuis quelque temps, vous m'entendez beaucoup dire Send Now Marketing. La tablette, elle a été sponsorisée par Send Now Marketing. Notre éclairage a été sponsorisé par Send Now Marketing. Donc, la semaine prochaine, on va enfin voir qui est derrière Send Now Marketing. La semaine prochaine, on va enfin parler de Send Now Marketing. Je vous invite massivement à vous connecter également la semaine prochaine. Et puis, voilà, on aura un bon moment d'échange également avec le CEO de Send Now Marketing. Sur ce, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Portez-vous bien, restez en santé. Et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.